belle demoiselle qui se presse d'en aller. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Yeah, yeah, si jamais je m'approche d'elle. Alors, on connaît pratiquement tous les bienfaits du kiwi pour notre santé, mais moins pour notre beauté, Isabelle. Et oui, effectivement, il est gorgé de vitamine C, il est aussi bon que beau, parce qu'on découvre aujourd'hui que les marques de cosmétiques se penchent sur ce fruit miraculeux. Alors, c'est certainement justement la tendance bio qui pousse les scientifiques de la beauté, finalement, à rechercher les bienfaits de ce fruit. Alors, il y a la vitamine C, bien sûr, mais j'ai découvert qu'il avait des vertus cicatrisantes, et surtout, en cette période après les vacances, notre peau, elle a soif. On a besoin de la réhydrater. Et ce fruit est parfait, tout ce qui en découle. Alors, c'est vrai que ces petites graines sont parfaites pour les gommages, pour enlever les peaux mortes. Le mieux, c'est de découvrir tout ce que l'on peut faire, tous les soins de beauté que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché à partir de ce fruit. Le kiwi, c'est vraiment, on va dire, l'ingrédient du moment. C'est quelque chose qui va permettre vraiment de réhydrater la peau, de la désaltérer, de la rafraîchir. C'est gorgé de vitamines, c'est vraiment excellent pour la peau. Chez Darphin, vraiment, le kiwi, on l'a mis à l'honneur dans notre masque. On a besoin d'hydratation et c'est là qu'intervient vraiment l'efficacité de ce que nous utilisons, c'est-à-dire les cellules fraîches de kiwi. Dès que la peau a soif, on y va, on n'hésite pas. C'est naturel, donc on peut en abuser. On l'applique en couche épaisse. On laisse poser, allez, 3 à 5 minutes. On a vraiment un effet repulpant et rafraîchissant incroyable. Corès va utiliser le jus de kiwi et également les pépins de kiwi pour exfolier le visage. Ce gommage, il est très riche en vitamine C, ce qui va apporter de l'éclat à la luminosité au teint gris ou au teint fatigué. Nous avons également des propriétés calmantes et apaisantes qui vont apporter une protection contre les agressions extérieures telles que le vent, la pollution ou le soleil. C'est également un anti-rides naturel. Dans un premier temps, on va humidifier la peau, puis prélever une noisette du gommage. Ensuite, on va le travailler sur l'ensemble du visage avec des mouvements circulaires, rincer soigneusement la peau. Tous nos gommages sont à base de sucre naturel et biodégradable, auquel on va rajouter des exfoliants d'origine naturelle. Le kiwi a des grains ovales qui sont intéressants pour désobstruer les pores, pour expurger les comédons et les points noirs. Donc, ce qui permet de l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. La formule, au contact de l'eau, elle va libérer de la chaleur, ce qui va permettre d'avoir une peau plus nette, plus lisse et des pores resserrés. Une peau de vie travaille ce qu'on appelle des fruits anti-gaspillage, donc les invendus de l'alimentaire. Donc moi, si mon kiwi est trop mûr, ça ne me pose aucun souci puisque je récupère au contraire sa pulpe que j'extrais, je vais chercher sa vitamine A, etc. Et surtout, je ne tape pas dans les stocks alimentaires. Les deux stars, je dirais, c'est un sérum pour le visage qui est vraiment pour illuminer le teint, qui est un sérum à base d'huile très riche. Et on a un masque tissu bio, et ça, c'est très novateur. On l'applique entre 10 et 15 minutes. On a tout le concentré du kiwi et du bienfait des fruits qui rentrent dans la peau. On l'enlève, on masse un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de produits. On n'a rien à rincer. Ah, moi, j'aime bien l'idée de la récup des fruits comme ça, parce qu'il n'y a pas que le kiwi, quand même. Non, effectivement. Alors, il ne faut pas se mettre des rondelles de kiwi comme on peut se mettre des rondelles de concombre pour décongestionner, par exemple, ses poches. Oui, ou d'être mis kiwi carrément sur les yeux, c'est moche. Un petit clin d'œil quand même à Alice Kéret, qui a été élue Miss Île-de-France la semaine dernière et qui va concourir pour Miss France le 15 décembre. Donc, il faut voter pour elle. Je la soutiens. Philippe, qu'est-ce que vous me disiez à propos des kiwis? Une nouvelle... On en plante de plus en plus dans le jardin parce qu'on a des variétés non gélives. Aujourd'hui, avant, il fallait un pied mâle pour cette femelle. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tout est sur la même plante. On s'est fait piéger. Et puis, ils ont sorti le petit kiwai qui a un grand succès. On ne l'épluche pas, on le mange comme ça. 7 fois plus riche en vitamine C que le citron. Ah, oui. Les nuits sans kiwi. Ouais. Ouais. C'est ça. Ah là 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 là. Voilà. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous allez aller quand même tester mes produits. Je les mange, moi, pour l'instant, les kiwis. C'est très bon aussi en ingestion, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Philippe. Merci, Frédéric.